Bonjour à tous, alors je vous propose aujourd'hui l'exercice 8 du concours Advance 2019. Un exercice assez compliqué sur les suites. Vous allez voir, il y a deux suites, dont une qui est définie hein, par récurrence, donc c'est la suite UN. Hein. Et ensuite une deuxième suite VN qui est définie par rapport à UN. Donc compliqué, on vous donne un algorithme, d'accord, avec une condition qu'on va un petit peu regarder, elle est assez particulière, et 4, enfin 5 propositions à vous de savoir ou de déterminer si elles sont vraies ou fausses. Je rappelle qu'à ce concours-là, on n'a pas droit aux calculatrices. Donc première question, c'est voilà, la valeur de U3. Donc on va eh bien, effectivement être obligé de calculer à la main, d'accord, en utilisant la relation de récurrence, le terme U3, sachant qu'on connaît U0, donc il faut qu'on calcule U1, U2, puis U3. Alors l'idée, c'est donc d'utiliser la relation de récurrence qui définit UN pour les bonnes valeurs de N. Donc si je veux calculer U1, vous voyez, comme j'ai UN plus 1, je dois avoir N égale 0 ici. Donc pour N égale 0, je vais obtenir une relation, donc U1 égale 1 tiers de U0 plus 0 moins 2. D'accord? J'ai pris n égale 0. Ça, c'est important. Beaucoup d'erreurs à ce niveau-là. Ça fait 1 tiers fois 1, donc 1 tiers moins 2. Alors 1 tiers moins 2, ça fait donc 1 tiers moins. On multiplie en haut et en bas par 3. D'accord? Donc ça fait 6 tiers. 1 tiers moins 6 tiers, ça fait moins 5 tiers. Et on va continuer. Donc ensuite, on va prendre la même relation, mais pour n égale 1. On obtient U2 égale 1 tiers de U1. Plus 1 moins 2. Donc j'ai 1 tiers fois moins 5 tiers moins 1. Donc ça me donne moins 5 neuvième moins 1. Donc moins 9 neuvième, ça fait moins 14 neuvième. Et on continue. Pour n égale 2, donc j'obtiens U3 égale 1 tiers de U2 plus 2 moins 2, donc plus 0, c'est-à-dire 1 tiers fois moins 14 neuvième. Donc moins 14 27e. Donc la relation, enfin la proposition qu'on vous fait, elle est tout à fait vraie. U3 vaut bien moins 14 sur 27. Deuxième affirmation, donc l'algorithme affiche la valeur de U3. Donc on va regarder ce qui fait cette colonne. Donc au début, dans U, on fixe la valeur 1. Alors on va faire des calculs, hein, d'accord? Donc on a U, on a N. Donc au début, U vaut 1, N vaut 0. Et ici, on a une condition. On mettra si c'est vrai ou faux. D'accord? Et ça nous permettra de savoir si on rentre dans la boucle ou pas. Donc au début, hein, U vaut 1, N vaut 0. Et la condition elle est assez bizarre. Donc c'est U négatif ou nul ou N égale 0. Donc ici, vous voyez, au début, U n'est pas négatif ou nul. Par contre, N égale 0. Donc on va rentrer dans la boucle. Et on va calculer une nouvelle valeur de U. C'est tout simplement le terme suivant pour la suite. Hein. Ce U. Ici, hein, ça correspond à U0, d'accord? Donc le N donne l'indice. Donc ici, on va calculer eh bien U1. On avait calculé que ça faisait moins 5 tiers. Et vous voyez qu'ici, donc N devient 1. Et là, la condition, c'est quoi? Eh bien maintenant, N ne vaut pas 0, d'accord? Par contre, de toute façon, N ne vaudra plus 0 ici, puisque N va augmenter de 1. Donc une fois qu'on a passé la première étape, il faudra juste que U soit négatif ou nul pour pouvoir continuer. Donc en fait, le programme va continuer tant que U sera négatif ou nul. Donc ça veut dire que U ne peut pas afficher U3 parce que U3 est négatif ou nul. Donc si on a U3, il va continuer. Donc ici, regardez, ça donnera ça, moins 5 tiers pour U1. Donc la condition, bah, U est négatif. On continue, on va calculer donc U2, c'est-à-dire moins 14 sur 9. N devient 2. La condition est toujours bonne. U est toujours négatif ou nul. On continue, U3. Moins 14 sur 27, plus n vaut 3, on continue. D'accord? Et vous voyez bien que là, ça ne va pas s'arrêter. Là, on va calculer U4. Alors, on va le faire tant qu'on y est, parce que ça va peut-être nous servir pour après. Donc, vous voyez, U4, ça fera donc 1 tiers de U3, j'utilise la même relation pour n égale 3, plus 3, moins 2. Ça fait donc 1 tiers de moins 14 sur 27, plus, ici, 3, moins 2, donc plus 1. Ça me fait donc moins 14 sur 80 plus 1, donc plus 80 sur 80. 80 moins 14, ça fait donc 67 sur 80. Et donc là, vous voyez, cette fois-ci, donc 67 sur 80, n devient 4. Par contre, les deux conditions sont fausses. U n'est pas négatif, n n'est pas égal à 0. Et donc on s'arrête. Donc le programme n'affiche pas U3, mais il affiche U4 qui vaut 67 sur 80. Et donc, hein, B, c'est donc une affirmation qui est fausse.
vous n'étiez pas obligé de faire les calculs, il fallait juste remarquer que la condition U inférieure ou égale à 0 vous interdisait d'arrêter l'algorithme quand U était négatif, donc ça ne s'arrête que si U devient positif strictement. Et j'espère que vous comprenez bien que le N égale 0, ça sert juste à passer la première étape, hein, parce qu'au départ, en fait, le premier terme de la suite est positif. Donc si on ne mettait pas N égale 0, eh bien, on ne rentrerait même pas une seule fois dans la boucle. Il afficherait tout de suite donc U égale 1. Voilà. Donc cet algorithme, il affiche la première valeur de la suite après U0 pour lesquelles la valeur est supérieure ou égale à 0, ou supérieure strictement à 0. Alors ici, on vous dit que pour tout N appartenant à grand N, eh bien, N supérieure ou égale à 5 implique que UN est plus grand ou égal à N-3. Alors ça, on va montrer par récurrence. Hein. Donc il nous faudrait déjà initialiser pour N égale 5. Donc ici, on va regarder donc pour n égale 5. Est-ce que la propriété est vraie? Donc j'ai besoin de calculer U5. Alors U5, d'après la relation, c'est 1 tiers de U4 plus 4 moins 2. C'est-à-dire 1 tiers de 67 sur 80. Ça tombe bien, on a U4 plus 2. Plus 2, voilà, comme ça. Donc ça, vous voyez, c'est plus grand forcément ou égal à 2. Parce que c'est 2 plus quelque chose qui est positif. Hein. J'ai mis une parenthèse en trop d'ailleurs. On va l'enlever. Voilà. Eh bien, vous voyez, ça veut dire que U5 est bien plus grand que 5 moins 3. D'accord ? Et donc, la propriété, elle est vraie. Donc, vraie pour N égale 5. Et donc, maintenant, on va enclencher l'hérédité. Donc, l'hérédité, donc on va supposer... Alors ça, sur un brouillon, on ne rédige pas tout. On suppose que pour un certain N, supérieur ou égal à 5, on suppose donc que un est plus grand que n moins 3. Quel est le but? Moi j'aime bien avoir le but. Le but c'est donc un plus 1 supérieur à n plus 1 moins 3. Donc un plus 1 doit être supérieur à n moins 2. Alors là on va reconstituer un plus 1. Oui, on va multiplier d'ailleurs par 1 tiers. Donc ça fait 1 tiers un plus grand que 1 tiers de n moins 3. D'accord? Donc, en ajoutant n moins 2, j'obtiens 1 tiers de un plus n moins 2, et donc plus grand, alors je développe, que 1 tiers de n moins 1, ça c'est 3 sur 3, et plus n moins 2. Donc, un plus 1 est plus grand que 1 tiers plus 1, donc 4 tiers de n, ensuite moins 1 moins 2, moins 3. Alors ici, j'aurais peut-être pas dû regrouper le 1 et le 1 tiers, donc on va revenir juste avant. Ça fait donc n moins 3 plus 1 tiers de n. D'accord ? Et ce 1 tiers ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On sait que n est plus grand que 5. Donc, 1 tiers de n est plus grand que 5 tiers. Donc, c'est plus grand que 1. Et c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire qu'ici, donc, un plus 1 est plus grand que n moins 3 plus 1. Et ça donne un plus 1 plus grand que n moins 2. Et donc, on a démontré l'hérédité. Donc, la propriété est vraie pour tout n supérieur ou égal à 5. Alors, ça, c'est quand même pas facile, hein, de penser à ce 1 tiers ici. Hein, d'accord ? Et de penser à dire que ce 1 tiers, il est plus grand ou égal à 1. Donc, ça, c'est pas la question la plus simple du sujet. Proposition D, Vn est une suite géométrique de raison 3. Alors, on va quand même regarder les premiers termes comme ça. Alors, déjà, on va calculer V0. Alors, V0, j'utilise la relation qui définit Vn, c'est moins 2U0. Donc ici, je l'utilise toujours à préciser pour n égale 0. Donc V0, n vaut 0, donc ici plus 0, moins 21 demi. Ça veut dire que V0, c'est donc moins 2 fois 1, donc moins 2, moins 21 demi. Ça, ça fait moins 4 demi, donc ça fait moins 25 demi. Moins 25 demi. Ensuite, on va regarder V1. Alors V1, ça fait donc moins 2. U 1, donc j'utilise la relation pour n égale 1, plus 3 fois 1, 3, moins 21 demi. V1 vaut donc, alors, moins 2 fois U1. U1, je l'ai encore en haut, c'est moins 5 tiers. Donc, moins 2 fois moins 5 tiers, plus, donc 3, alors je vais tout de suite mettre ça ici, on va additionner 2, 6 demi, moins 21 demi, donc... Ça nous fait donc moins 2 fois moins 5, 10, donc 10 tiers, moins 6, moins 21, moins 15, donc moins 15, demi. On met tout sur 6, ça fera donc ici 20, moins 3 fois 15,
moins 45 sur 6, donc moins 25 sur 6. Alors, est-ce qu'on a une suite eh bien, géométrique de raison 3? Mais non, parce que, hein, vous voyez ici, il faudrait qu'on ait une multiplication par 3. Est-ce qu'on a cette multiplication par 3? Eh bien, vous pouvez regarder, hein, V0 fois 3, ça fait donc moins 3 fois 25 demi, ça fait moins 75 demi. Et si on met ça en sixième pour pouvoir bien comparer, ouais, je multiplie par 3 en haut, ça fait donc 3 fois 75 moins 225 sur 6. Ça n'est pas moins 25 sur 6, donc on n'a pas une suite géométrique de raison 3. D'ailleurs, si on regarde bien, hein, c'est pas une multiplication par 3, mais enfin, en fait une division par 3. Donc ici, pour aller de V0 à V1, on divise par 3. Et d'ailleurs, ce n'est pas dans le sujet, mais je vais vous démontrer que cette suite de n, elle est géométrique de raison 1 tiers. Alors comment on fait? Eh bien, on va partir d'avoir de Vn plus 1. Ça fait donc moins 2 un plus 1, plus 3 fois n plus 1, donc 3n plus 3, moins 21 demi. On continue. Donc Vn plus 1, j'ai trouvé que ça faisait moins 2 fois en haut. On a donc 1 tiers de un plus n moins 2, plus 3n. Alors, on va tout de suite regrouper. Donc 3, ça fait 6 sur 2. Donc ici, j'ai moins 15 demi. On développe. Je trouve donc moins 2 tiers de un, moins 2, plus 4, plus 3n. Alors ici, j'ai oublié n, voilà. Plus 3n, moins 15 demi. On regroupe tout, puis on verra après. Donc vn plus 1, ça fait moins 2 tiers de un. Ensuite, plus 1n. Et ensuite, 4 moins 15 demi, ça fait 8 moins 15, moins 7 demi. Voilà, et on va essayer de refaire apparaître Vn. Donc vous voyez ici, je vais factoriser par 1 tiers. Ça me fait donc moins 2 un, plus, quand on factorise par 1 tiers, ça fait 3n. Et ici, eh bien, on fait moins 21 demi. Eh bien, ça tombe bien. Vous voyez, on retrouve exactement. Hein, ici, c'est l'expression de Vn. Donc Vn plus 1, c'est 1 tiers de Vn. Et vous avez une suite géométrique de raison 1 tiers. Donc, c'est pas du tout ce qu'on vous propose. Dernière question. La limite de un est plus l'infini en plus infini. Vrai ou faux? Bien, c'est vrai. Pourquoi? On a démontré que quel que soit n plus grand que 5, un était plus grand ou égal à n moins 3. Et bien là, on va utiliser ce qu'on appelle un théorème de comparaison. La limite, hein, quand n tend vers plus l'infini, et bien de n moins 3, ça c'est plus l'infini. Et vous avez un qui est plus grand que les termes de cette suite n moins 3. Donc, c'est le théorème de comparaison. Par comparaison, et bien la limite de un va être elle aussi plus l'infini, puisque un est plus grand ou égal qu'une suite qui tend vers plus l'infini. Et donc la proposition E, elle est vraie. Donc il fallait avoir fait la C pour pouvoir faire rapidement la E. Ouais, pour tous ceux qui s'entraînent pour le concours advance, je vous propose la question suivante, la 9, avec encore des suites. Hein, ici, on aura besoin du logarithme. Et donc, une belle série à la fin, ouais, une somme ici de 1 à n de 1 sur 2 puissance k. Voilà, je vous souhaite bon courage, à très bientôt.